Olivia, 5 ans, est ravie de faire un tour de manège, sous les yeux de son frère et de son papa. C'est sympa de pouvoir sortir et profiter, même si on est toujours masqué. À Souffle, Lomalt a décidé de maintenir le Mesti sur la place des Sept Arpents. Il a également offert le droit de place aux forains, une bouffée d'oxygène pour une profession qui souffre. Pour nous, c'est très bien. Après, voilà, les autres fêtes sont annulées. On n'a plus beaucoup de fêtes. Pour le marché Noël, on ne sait pas plus. C'est très compliqué, quoi. On a 70% du chiffre d'affaires en moins. Les marchés aux puces sont totalement annulés, qui sont les gros jours pour nous. Bon, là, ces jours-ci, on a la météo qui n'est pas du tout avec non plus. Donc voilà, on garde le sourire pour les enfants, pour les familles, pour garder le moral. Le bracelet compte comme un ticket de manège aussi. D'accord. Donc vous en avez un à vous faire. Là, j'en ai pris 16. 16 ? Ouais. Bon, après, j'ai 4 enfants, donc ça va vite être rentabilisé. Pêche au canard, barbe à papa, il y a tous les ingrédients d'un mesti réussi. Au stand de tir, tout est régulièrement nettoyé, comme sur les manèges. Et pour la distanciation sociale, chacun a ses petites astuces. J'ai vu qu'ils nettoyaient bien à chaque fois, à chaque passage, donc il n'y a pas de problème. Pour le respect du port du masque, la police municipale veille. Il est obligatoire dès 11 ans. Vous oubliez encore ? Allez, c'est parti, levez les bras, lâchez la barre, restez bien assis, restez assis, on accélère. Un mesti réussi, c'est aussi terminé avec une petite sucette. Sur la place des Sept Arpents, le traditionnel mesti de Souffle-Weyersheim, c'est jusqu'au 6 octobre, de 15h30 à 19h30. Profitez-en en toute sécurité.